Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je la tourne à la suite de ma vidéo en présentation de la TDVD. N'hésitez pas à aller la voir hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vue, elle est sortie juste avant celle-là. Bon, pour ceux qui regardent ces vidéos, on l'aura autant après la date de sortie réelle. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Vidéo où je vais donner une critique. Alors, une critique, voilà, c'est pas la première. Je vais vous expliquer pour moi le sens du mot critique. Une critique, c'est à la fois négatif et positif. Même si je pense que dans cette vidéo, il y aura beaucoup plus de positif. Parce que c'est simplement une série que j'avais trouvée à Cora. Une vieille série des années 80. Il y a 4 saisons dans cette série. Et c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'à la base, le coffret coûtait 40 euros. Il y avait une grosse promotion, il était à 20. Je connaissais pas, je me suis dit je tente, parce que ma mère m'avait dit qu'elle regardait ça quand elle était jeune, pour vous dire le niveau de vieillesse. Désolée maman. Et donc du coup, voilà, j'ai regardé pour la première fois, c'était sympa. Et ensuite les saisons ont passé, puis j'ai fini la série. Ah, attention mesdames et messieurs, musique de la série, et attention... simplement une vieille série. Donc je suis devenue fan de cette série. C'est une trop bonne série. Les 40 euros elle les valait. Bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir à 40, à 20. Voilà, et donc ici on a la saison 1, 2, 3 et 4. Donc saison 1. Un beau soir, Alf, Alien Life Form, s'écrase avec son vaisseau spatial dans le garage de la famille Tanner et devient un membre de cette famille inhabituelle. Saison 2, maintenant confortablement installé dans le garage des Tanner, le sarcastique Alien est devenu un véritable membre de la famille. Saison 3, Alf déménage du garage des Tanner pour s'installer dans leur grenier. Il est désormais encore plus proche de sa famille adoptive pour les aider, les faire rire, mais surtout leur créer des ennuis, et oui. Saison 4, Alf prend la décision difficile de quitter la Terre. Cette saison finale rappelle à tout le monde combien ils aimaient ce Melmacien à poil. Donc ce Melmacien, ça vient de sa planète Melmac, voilà, qui a explosé. Et je vais pas vous spoiler, mais la fin est un peu décevante parce qu'elle n'est pas finie. Ouais. Mais en tout cas, il y a quand même une fin, ça peut être une des fins possibles. En plus, ils ont fait un film des années plus tard, 6 ans plus tard, donc en 1996, qui s'appelle Operation Alf. Que j'ai pas vu. Mais du coup, voilà, Alf, c'est une très bonne série. Et dedans, quand on ouvre, la même image. C'est juste qu'on a eu une énorme cassette. J'avais jamais vu, parce que oui, vous savez, c'est connu. Les grosses cassettes dans le carton pour faire l'intégrale d'un truc. Mais j'avais jamais vu une cassette aussi énorme. Désolé, je suis vraiment encore malade. Et attention, quand on ouvre, alors, vous allez voir, c'est technique, hein, le coffret. Donc, ici, donc par saison, il y a 4 disques. Donc ici, il y a 2 disques. Il y a le disque 1, en dessous, il y a le disque 2. Et ici, il y a le disque 3, et en dessous, il y a le disque 4. Voilà, donc là, les 4 disques de la saison 1. C'est assez merdique à enlever, mais il faut prendre la main. Ici, on a les saisons 2, donc pareil, 2 disques ici, 2 disques là. Fin de la saison 2. C'est assez technique, hein, c'est des replis et tout. 2 DVD, saison 3. 2 DVD, saison 4. Voilà. Donc, c'est assez technique. Il y a beaucoup de DVD. Il y en a combien en tout? Faut que je compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 DVD en tout. Voilà. Puis, des fois, il est habillé en mode présentateur de télé. J'aime bien ses costumes. Il y a des épisodes quand même, c'est des pépites, mais ils sont tous bien, ils sont tous bien. Et c'est une série, j'aurais jamais cru qu'elle me plairait, mais si, en fait j'adore. On a tout le temps envie d'en voir plus, et puis bon, bah j'étais un peu déçue que ce soit fini, surtout avec la fin qu'il y a eu, mais bon, voilà. Et donc voilà, pour pas non plus faire une vidéo
Déjà, attendez, je vous expliquer un peu mes critiques. Mais du coup, pour agrandir un peu la vidéo, j'avais fait un dessin du Alf. Vous allez me dire si c'est ressemblant. J'ai pris une petite image. Je l'avais posté sur Twitter. Voilà, c'est ça. J'ai posté sur Twitter. Le Alf, il rend moins bien à la caméra, mais je vous jure qu'en vrai, j'ai plutôt bien réussi. Voilà. Donc, le Alf, voilà. Bon, c'est sûr, sa tête est un peu loufoque, un peu étrange, mais voilà. On s'y habitue, en fait. Du coup, maintenant, quand vous connaissez la série, quand vous voyez ça, bah, vous flippez pas votre as. Donc, point positif et point négatif de Alf. Point négatif, le plus dur à trouver. Alors, le point négatif de tourner dans une cuisine, c'est qu'il y a les gamelles juste à côté. Point négatif, peut-être que c'est un peu trop court. Les blagues sont un peu rabâchées avec... J'ai perdu mon mot. Ça se rabâche, je crois que c'est ça ce qu'on dit. Avec l'histoire du chat et tout, vous verrez si vous regardez la série. Et voilà. Donc, critique positive, c'est une bonne série, c'est très drôle, voilà. Il y a quand même quelques nouveaux, quelques épisodes, c'est des pépites. Et on passe par toutes les émotions, surtout vers la fin, voilà. Beaucoup plus de positif que de négatif. Voilà, donc si vous voulez ce coffret, Alors moi j'ai eu à Cora, forcément, voilà. Mais je tâcherai de trouver le même coffret sur internet. Et je vous le mettrai dans la description pour ceux qui voudraient l'acheter. Voilà, le même, hein. Le même coffret que j'ai là, je vais trouver le même. Et sinon, si ça vous intéresse, il y a le même coffret avec une grosse peluche, ça coûte plus cher, c'est tout, mais bon, voilà. Voilà, mais non, moi je vous mets ce coffret-là. Pixel par pixel, c'est le même. Voilà, et pareil, pour la vidéo d'avant, pour ceux que ça intéresserait, Big, Didier ou comment c'est quoi cette mamie, pareil. Dans la description de l'autre vidéo, du coup, je vous mettrai aussi les liens. Maintenant, quand je vais faire des critiques, je mettrai les liens des DVD. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, pour ceux comme ça que ça intéresse. Parce que j'ai vu, les gens, quand ils font des critiques, voilà, t'écoutes sa critique, puis le film t'intéresse, bah, tu cherches toi-même, quoi. Alors que non, moi, voilà, je mettrai le lien dans la description. Je suis pas comme ça. Mais en tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, vu que j'ai un projet en cours à vous présenter. Une nouvelle vidéo devrait pas tarder à arriver. Voilà. Déjà, je vais peut-être regarder ces films-là. Et peut-être même que vous aurez une deuxième critique. Parce que là, c'était une présentation. Donc, c'était pas pareil. Oui, du coup, c'est pas pareil. Je vous mettrai pas le lien. Du coup, oui, non. Non, en fait, je vais vous mettre le lien. Alors, désolé, les amis, ça a coupé. Je voulais vous dire, je vais mettre le lien de toutes les critiques que je ferai à partir de maintenant. Donc, pour pas déranger encore plus ma caméra. On se retrouve à la prochaine. C'était Lucas. Ciao.